Salut à tous, ici Mister Hiro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un jeu super fun autour du suicide. Bon, rassurez-vous, on va pas faire de blagues de mauvais goût ou de trucs de ce genre autour du suicide ou quoi. Le but ici est de s'amuser en trouvant des façons très rigolotes de se suicider, alors que ce monsieur, que vous pouvez voir ici, va tout simplement rêver. Il s'agit donc d'un petit jeu indépendant qui répond au nom de Suicide Guy. Et donc, c'est parti, hein, je vous ai expliqué le principe. Commençons avec ce monsieur bien posé dans son canapé. Ah bah oui, c'est fatigant hein, de regarder la télé, hein. On connaît tout ça. Et voilà, il se met à rêver. Et c'est là que tout commence. Est-ce que je suis en train de rêver? Ah mon dieu. Ah mon dieu. Mais ce t-shirt est absolument taché. Wow. Wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow. Je pourrais faire ça pendant très longtemps. Ok, donc au niveau des touches, découvrons un peu. Ah, j'ai cru qu'il se frappait lui-même. Mais non, Ah, si je fais ça en avançant, il se fout des pains lui-même, de temps en temps. Donc on peut frapper, hein, comme l'indique ce son. Ah, on peut zoomer. Et il fait un... Ah, très important, on a une touche pour roter. Je ne sais pas si ça va être très utile un jour. Mais on peut roter à l'infini. Tchoum. Va attendre là, petite poubelle. On peut pas la prendre, la télé? Tchoum. Tchoum. Saleté de télé. Nous sommes bien haut. Je sais pas ce qu'on fout là, hein, d'ailleurs, mais bon. Oh, oh, calme-toi, parce qu'on Ce bruitage était absolument mignon. Ah mon dieu, c'était qu'un rêve. J'ai eu peur, le portrait en haut à droite, j'ai cru que c'était un mec tout nu. Peut-être son père ou quoi, mais c'était très bizarre. Allez, ça prend un peu de bière. Oh, il s'en fout partout. Mon dieu. Absolument immonde. Tout à fait. Allez, rendors-toi. Oh mon dieu. Ah non. Non. What the fuck. Je suis un chef cuistot apparemment maintenant, dans un fast-food. Ok, attention, alerte, la bière va tomber. Oh mon dieu, il faut qu'on se dépêche. Il faut qu'on se réveille. Comme dans Inception, quand on meurt dans un rêve, on se réveille. Ou un truc comme ça, je sais plus. On tape les burgers. Tiens, tiens, saleté de sel et de ketchup. Ah, apparemment, on a un fast-food en plein milieu d'un désert. Il y a juste une route qui passe. Très bien. Voilà, en fait, le but du jeu, c'est, comme on l'a vu au cours de cette petite intro, c'est de trouver des façons de se suicider pour se réveiller. Ben, en fait, ça va se diviser en plusieurs petits niveaux à thème. Et le premier, apparemment, c'est ce train. Donc, allons-y. Oh mon dieu. Ah oui, là on est complètement dans le Far West et tout. On est bien dans l'ambiance, tiens. Pour activer les objets à proximité, pressez le clic gauche ou X. Alors étant donné que j'ai une manette PS4, ça va être carré, hein, merci. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ce train dure éternellement? Bon, étant donné que c'est un rêve, on peut dire que oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, on peut s'accroupir aussi, je l'ai pas dit, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'était un truc à ramasser. Oula, oula, ne tombe pas, c'est dangereux. Quoique non, le but c'est de se suicider, je crois. Ah, faut peut-être qu'on se fasse écraser par un train, en fait, vu que le but c'est de se suicider. On verra bien combien de temps ça va prendre. 3 hours later. Je crois qu'il arrive en face. Vas-y. Alors si avec ça il s'est pas réveillé, what the... Employé du mois d'octobre. Très bien. Donc on s'est pas réveillé comme on voulait. D'accord. Bah attends qu'on a suite, hein. Tiens, ok, on est dans une Siri apparemment. À ne pas confondre avec Apple, merci. Pour activer les éléments sélectionnés, appuyez sur le bouton gauche de la souris ou X ou carré éventuellement. D'accord, en fait, je peux utiliser les éléments, enfin les objets, sans les ramasser. Hein, j'ai les pouvoirs de télépathe étant donné que c'est un rêve. Oh mais quel réalisme, c'est incroyable. Je dirais que j'ai fait ça toute ma vie. Mon dieu, calme-toi tournevis. Qu'est-ce que ça fait ça? Ah, je crois qu'on a trouvé la solution de comment quitter ce niveau. Vu qu'il y a un petit trou là, faut qu'on se mette là. Attention, ça va être un coup de génie.
Fatality. Mais on revient là à chaque fois, on se réveille pas et il y a notre bière qui est en train de tomber. Waouh. Voilà, c'était la chute d'une caisse la plus longue au monde. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette chose? Très bizarre. Ah, c'est une relique. Ah, on est Indiana Jones, d'accord. Mais c'est bien sûr. Oh, tu peux pas monter ça. Tu te fous de moi? Ah, mais je peux le tenir et tout, d'accord. Oh, regardez, il glisse tout seul, c'est magnifique. Tu es mon meilleur ami maintenant, tu vas me suivre partout. Viens ici, mon ami. Mon ami, le coffre. Mais quelle force dans cet homme, incroyable. Ah, c'est un lance-pierre. Oh, comme c'est beau. Ok, donc j'ai vu cette petite clé, je pense que c'est la clé du coffre, j'imagine. Oh, c'est vachement précis, dis donc. Incroyable. Il y avait un crâne. Ouais. Salut toi. Hey, salut mon ami. Alors comme ça tu veux récupérer la relique? Tu vas avoir besoin de moi, je crois. Ouais. T'as vu mon chapeau? Il est beau, hein? Oh mon dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Tiens. Incroyable. Ça marche tellement bien. Et regardez ça, comment il court, n'empêche. Yay, yay. Allez-vous. Houdaba. Allez-vous. Houda. Et allez, on est de retour là. D'accord. Parfait. Ah, je vois. Je comprends mieux maintenant. Vas-y, écrase-moi avec la relique, tu ne mourras jamais. Oh vas-y, j'étais entre des pics là, et oh hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Une statue de nous, très bizarre. Oh mon dieu. Ah d'accord, je vois le délire. C'est un peu Frankenstein quoi. Faut qu'on mette les pinces j'imagine. Clac. Oh mon dieu, oh mon dieu. Calme-toi, tout va bien. Hein, j'ai été électricien dans une autre vie et voilà, je pense qu'il restait un peu de jus en fait dans le câble et du coup il s'excitait un peu. Mais voilà, c'est bon, tout va bien. Et go. Ah oui, merde. Peut-être qu'on ouvre le toit quand même. Hop là. Ah, je crois qu'on l'entend arriver. On l'entend bouger. Oui, bah oui, c'est bien lui. Bonjour. Ah ouais, il a bien pris vie. Incroyable, hein. Comme quoi ça marche. Faut qu'il me chope, c'est ça? Vas-y, prends-moi. Ah oui, ton gros visage. Mais il y en a combien des épreuves? Parce que là, on va être 6, 7, 22, 24. Il y a 24 épreuves, mais tu te fous de moi? Oh, mais je connais ça. Mais c'est Portal, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, déjà, on ramasse ça. Du coup, on peut voir que... Oh, d'accord. En fait, notre personnage n'est composé que d'un... Que d'un tronc, des jambes, pas de bras, hein, bien sûr. Alors que mon ombre fait des bras et des mains, mais non, non. Est-ce que ça marche le truc de vitesse, là, quand tu tombes bien en face? Ah oui. Ah ça, ils ont respecté ça. Ah, mais je crois que justement, c'est pour faire référence à... Justement à ça. Header. Voilà. Tu te projettes ailleurs et du coup, tu conserves ta vitesse. Donc là, en fait, on s'est écrasé contre un mur, le sol ou je ne sais quoi. Un phare, très bien. Moby Duck. C'est l'histoire d'un canard solitaire. Ah. J'ai gagné une ampoule. Genre ça va marcher? Non. T'es sérieux? Une ampoule de table de chevet? Faire ça? Faut que je fasse quoi? Oh mon dieu, what the... Non non, c'est bien Moby Duck. Salut. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es légèrement gigantesque, hein, quand même. Waouh. Cette animation de qualité. Ah, je crois qu'il nous fonce dessus. C'est comme ça qu'on meurt, c'est ça? Oh non, il a encore cassé notre phare. Salut. Comment vas-tu, petit gars? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça? C'est ce livre qui t'intéresse? Ah, il nous refonce dessus. Est-ce qu'on va mourir?
Ah, il nous vole dessus. What the... Ah, il nous mange. Je sais pas si on peut vraiment parler de suicide dans ces circonstances, mais... C'est quoi, c'est Minecraft? C'est Lego? Ni l'un ni l'autre, c'est un château bizarre. Ok, il va falloir que je monte et que je saute ici, c'est ça le truc? Sois pas si triste, petite musique! Oh mais ces bruits de pas... Ah oui, les bruits de pas qui sont même pas synchro avec les vrais pas, parce que là j'avance très lentement. Et t'as l'impression qu'il marche normalement, enfin qu'il court quoi. Ah, je peux déplacer les caisses, très bien. Je pense que je vais avoir besoin d'une là-bas. Peut-être bien par là aussi. Je sais pas où est la statuette, hein, mais bon, c'est pas grave. Ok, hop. C'est bon, ça passe. Et voilà. On est champion du monde. Ça pour gagner le droit de se suicider. Ah mon dieu. Pas tombé. Oh mon dieu, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois? N'aurais pas pu juste ouvrir la porte du château et rentrer tranquillement et demander gentiment à aller jusqu'en haut et sauter? Non. En fait, les niveaux sont longs, mais il n'y a pas grand-chose à faire, donc c'est pas ouf. Hein. Ah bah ça y est, on est au sommet. Pas de statuette. J'annonce cet homme pour faire son très célèbre vol de la mouette. Vas-y, c'est à toi. Un petit roue d'encouragement. On a déjà vécu ça. C'est pas ouf. On a déjà vécu la mort par la chute d'une hauteur extrême. Ah mon dieu, les journées au bureau. Heureusement qu'il y a les donuts. Succès déverrouillé, eat a donut. D'accord. Ah, on peut manger la boîte aussi, hein, de donuts. C'est plus rapide, plus simple. Ah vas-y, ils ont foutu des barreaux pour qu'on puisse pas se suicider. C'est incroyable. Je veux voir le responsable de cette entreprise. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On peut gaspiller de l'eau aussi, hein. Faut que je fasse quoi? Parce que c'est bien beau de pouvoir déplacer ça, mais... À quoi ça va me servir? Ah, il fallait que je travaille. Un problème était... Ah, d'accord. Ah, c'est un peu extrême quand même, hein. Ça marche pas en wifi, ce machin, quand même. Et si? Eh, hey, quand même. Là, y'a rien. Si je mets là... Ah bah voilà. Ah d'accord, faut empêcher l'eau d'évacuer et donc on meurt par noyade dans le bureau. Wouah, ça va loin quand même. Hein. Waouh. Alors là, ça partait très loin. Bon bah écoutez, hein, je pense qu'on a fait un bon petit tour sur l'ensemble de ce que proposait ce jeu. Voilà, hein. Comme on l'a vu, il y a 24 niveaux, on en a fait 10 quand même. Donc bon, je sais pas si j'aurai le courage de faire les autres. Je les ferai peut-être de mon côté et je verrai bien ce que ça fait au bout, au final. Peut-être que le mec, il se réveille tout simplement et puis il ramasse sa bière et tout va bien, je ne sais pas. En tout cas, voilà, le suspense est insoutenable. Cet homme va-t-il réussir à empêcher sa bière de tomber? Vous le saurez peut-être jamais, sauf si vous achetez le jeu. C'est donc la fin de cette vidéo sur ce jeu indépendant du nom de Suicide Guy. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de l'aimer et de la commenter. Comme d'habitude, c'est extrêmement important. Encore une fois, merci à vous tous pour tout votre soutien que vous m'apportez régulièrement. C'est extrêmement sympathique. Donc n'oubliez pas, hein, comme toujours, le partage de vidéos, c'est extrêmement important. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Donc n'oubliez pas d'y jeter un petit coup d'œil. Et puis dans tous les cas, on va se retrouver très bientôt dans une toute autre vidéo. Que ce soit une vidéo multijoueur ou une autre vidéo découverte ou peut-être une rediffusion de live. Bref, d'ici là, portez-vous bien et salut à tous.